Lancée depuis le 9 mai dernier dans l'enceinte de la préfecture d'Okonja, la campagne d'inscription et de réinscription sur les listes électorales suscite l'engouement des populations du département de la Sébé Brikolo dans la province du Haut-Ogooué. Nous sommes dans le sud-est du Gabon. Fils de cette localité, le ministre de la Culture et des Arts, Max Samuel Boumandjogo, et les cadres politiques d'Okonja ont initié une série d'échanges qui se veulent dynamiques avec les populations. Ayez votre destin en main. Votre destin en main, ça veut dire quoi? Vous devez pouvoir vous exprimer via un vote. Donc on s'adresse là à tous ceux qui ont 18 ans révolus, pour qu'au moment venu, vous puissiez vous exprimer, exprimer votre volonté via un vote. Les populations locales, tous secteurs confondus, ont accueilli le travail de terrain du ministre avec ferveur et enthousiasme. C'est le cas de ces femmes commerçantes du marché municipal de Okonja. Je remercie monsieur le ministre qui nous a payé l'étape pendant 2 ans. Je dis merci à monsieur le ministre, parce que c'est depuis l'année passée que monsieur le ministre nous paye des tables. Et aussi merci à monsieur le président, que vraiment Dieu veille sur eux. Mais aussi la jeunesse, bien représentée à cette rencontre. Je remercie le ministre, nous avons invité tous les jeunes d'Okonja. Soyez sûrs que toute la jeunesse d'Okonja, nous jeunes d'Okonja, on va s'enrôler massivement. La révision des listes électorales a démarré le 9 mai et se terminera le 7 juin prochain. Le but de cette campagne est donc de rappeler aux populations locales la nécessité de se faire massivement enrôler dans la perspective des élections générales de cette année.